Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval dans la galère à cause de la mise à jour. Bon, non, en vrai c'est moins mal. C'est moins mal que ça ne l'a été. Dit-il. J'ai plus de fromager. Oh! Ah ouais, non, ça par contre c'est galère. C'est moins mal qu'en... Non, bon, en vrai, c'est moins... ça reste vraiment moins mal que ça ne l'a été, mais c'est toujours un peu la dèche, quoi. On est à la recherche d'argent. Oui. Oh, la vache! J'avais tant que ça. Donc, oui, on est à la recherche d'argent pour embellir un peu tout le bazar. Parce que c'est pas très beau apparemment. Augmente l'attractivité et apporte dans mes murales. Ouais. Antenne abbatiale, bah là. Ah. On verra. Wow. 7 pièces d'or. Ah. Par contre, de la pierre taillée, ça c'est bien. Ça c'est très bien même. On a dépassé notre seuil donc de pierre taillée. Là pareil, encore des pierres taillées, ça c'est très très bien. On va continuer à envoyer des troupes. Pas plus que nécessaire, il faut absolument qu'on fasse... Waouh! Fasse le maximum de missions possible là. Voilà. Faut qu'on fasse le maximum de missions possibles pour avoir un maximum déjà de ressources parce que on galère sur certaines. Même le pain, j'ai plus de boulanger et tout, c'est n'importe quoi. Augmenter notre nombre de pièces d'or, pierre taillée pour les constructions. C'est vrai qu'on va devoir aussi acheter du verre. C'est moins drôle. Je pense qu'on peut en acheter quand même au cas où je regarde. Oui. J'en ai besoin de 100. J'en ai dans tous les cas besoin de 100. Donc là, je vais acheter du verre. Ça pique le porte-monnaie le verre, hein, par contre. Hein, là, je vous le dis, les gars. La blague, elle est pas très drôle. Je sais pas à quel prix il est le verre, mais... 7, ouais, je vais dépenser 700 d'or pour acheter du verre. Tu me diras, je pourrais acheter le quartz, mais maintenant ça me demande des métiers, peut-être un roturier, voire un citoyen. Et vu comment c'est le bordel, j'ai le roturier des citoyens en ce moment. Peut-être pas le faire. Donc autant acheter du verre directement. Ce sera mieux. Voilà, est-ce que lui il va me vendre du verre? Il va me vendre du verre. Voilà. 33 verres, bon, on a déjà le tiers, c'est bien. On a plus d'argent, c'est moins bien. Attends, on a de la pierre, hein, la vache. On a des herbes. Ça se vend les herbes? Parce que si ça se vend là, je vais clairement en vendre un paquet, hein, 3. Ça se vend, ça se vend, ça se vend même bien. Ressources, herbes. Vendre jusqu'à 200. Ah bah voilà, on va se faire un petit peu plus de profil. Les soldats sont déjà de retour de mission. Ah bah.
Les mini fontaines. Pas l'air de bouger des masses l'eau ici. Hein. Ça risque de croupir hein, et de faire des maladies ou des moustiques. Ouais, j'ai vendu quelques herbes là, ça se voit. J'en ai moins dans l'inventaire et surtout. J'ai beaucoup plus de thunes. Oh non, qu'est-ce qu'il me veut encore? J'ai plus rien. Oh. On m'a déjà mis sur la paille. J'ai du pain, des herbes et des baies. Eh bah j'ai pas assez. C'est pas que je veux pas, mais j'ai plus assez de pain en stock. Oh la vache. Putain, je vais être obligé d'acheter du pain. Oh non, tout mais pas ça. Oh, tout non, mais pas ça surtout. Je suppose que j'ai des boulangeries dans lesquelles j'ai pas de travailleurs, c'est ça? Même pas. Toutes mes boulangeries sont affectées, je comprends pas. J'ai rien dit, j'en ai deux. Ouais, d'accord, ouais, non, j'ai rien dit. Une boulangerie là, une boulangerie là. Ouais. Ouais. Bah, ils mangeront pas de pain, écoute. Hein. En vrai, c'est une deadline, hein, parce que. Si j'ai pas assez de pain, même les cerfs, ils vont partir, quoi. Si j'ai pas assez de pain, je vais être obligé d'en acheter, donc, pour éviter le départ des cerfs. Mais si j'en achète, je vais peut-être pas avoir assez de pièces pour faire autre chose. Eh ouais, c'est un saloperie de cercle vicieux. Hein. Et j'en vends ou pas des. J'ai l'impression que je vends pas de marbre. J'ai quand même pas mis 200 au marbre. Ah bah si. Et vendons du marbre. Les épées, je peux vendre au-delà de 50 là, en ce moment. Ah oui, il faut absolument que je me fasse de l'argent. Là j'ai. Ok, 59 verres, ça c'est bien. Plus de la moitié. Waouh. Ça c'est de la mission. Oh, j'ai gagné d'influence en noblesse. Oui, mais tu me diras. On gagne de l'influence en noblesse. Bon, ils rentrent tous de mission, je vais les renvoyer en mission. Hein. Monastique, je vais pas voir ce qu'il faut là avec deux troupes. Non. On va pas risquer de se planter. Ah, j'avais fait des belles décos ici aussi. Pour augmenter la valeur du terrain. Stratégiquement, je ferais mieux d'augmenter la valeur du terrain ici. Pour la boulangerie qui est là. Sachant qu'ici, même ça sert à rien cette église. Hein. Même ça sert à rien. Du coup. Vraiment, elle n'a aucune utilité celle-là. Monument.
parce que c'est, on verra plus tard. Faisons quelques décos dans le coin. Enfin, préparons des petites décos là dans le coin. Si je peux les adosser à des maisons, les fontaines. Ça n'a pas de sens. C'est chelou quand même. Ouais, parce que c'est, je préfère foutre des fontaines abbatiales. Des fontaines adossées qui prennent moins de place. C'est surtout ça en fait, moi, ma réflexion. Pourquoi je mets beaucoup de ça là, les fontaines murales. Que c'est adossé. Alors certes, ça rapporte peut-être moins en embellissement, mais ça prend moins de place. Regarde, si j'en fous une là, si j'en fous une là, ça a détruit la maison. Alors que là, ça la détruit pas. C'est chelou ça. Regarde, mettons là, je la construis. On est d'accord, ça me. Alors, c'est juste un test. Hein. Hop. Là j'ai des trucs qui sont venus. Allez, on envoie. Ouais, bon, ça c'est toujours leur machin. Où est-ce que je l'ai foutu? Ici, ouais. Alors tu feras attention, tu construis quelque chose qui est derrière toi. Pas grave. Récit de la mission, de la farine, ouais, on rapporte du fromage, la viande, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, la mission de B. Il fallait 1625. On s'y rapproche. On s'y rapproche petit à petit. Oh, 116% de bonheur. Waouh! La foire, elle est très joyeuse. Hein. Elle est fonctionnelle ou pas? Non, elle est pas fonctionnelle. Pas l'air, elle a pas l'air encore fonctionnel. Voilà. Waouh. Ça embellit, mais alors de manière. Waouh. Voilà. Ah ouais, hey, beautiful, hein, beautification area, hey, ça a fonctionné, hein, la maison elle est super belle. Hein. Oh la vache, ça, ça me met bien ça. Donc, là si je fais la promotion de deux serres, je vais essayer de faire la promotion de deux serres. Et de voir si s'ils sont heureux ou pas. Que je les mets là. Il devrait aller habiter dans le coin, quoi. Je me dis, il devrait aller habiter dans la maison d'à côté qui a de la place. Peut-être. On va voir.
Ça n'a pas pris en compte ni le lieu de travail, ni le, ni le, ni l'habitation. C'est compliqué, ça. Allez. Oh, 1625. On les a passés, on a passé le cap. Allez, construisons l'embellissement de l'église. C'est bon, le travail était pris en compte. Plus qu'à attendre que la maison soit prise en compte. Prise en compte. Et je suis toujours pas ramené de pain, mais ça va, le pain, ça a l'air de s'être équilibré, je sais pas pourquoi, je sais pas trop comment. Bon, maintenant tu me diras, j'ai plus de boulanger, donc... Peut-être une ferme très facile, hein, vu qu'on est... qu'ils sont pas beaucoup. Oh là, deux à la fois. Ouais, on va essayer. Hein. Apparemment, il n'y a pas de malus si j'y arrive pas. Donc, Non. M'intéresse pas. On verra plus tard. Oh la vache! Ah oui, ça a acheté de la pierre là. Après la construction là, elle est plutôt rapide, hein. Ah, oui, on va revoir maison. Voilà, la maison va évoluer. C'est ça. C'est ça que je cherchais. Est-ce que la maison évolue? Ça déjà c'est bien. C'est-à-dire que nos boulangers vont rester dans le coin. Ok, c'est toujours ça de prix. Un peu de pierre taillée en plus. On va voir mission. Quelques-uns de dispo, on peut voir. Impec. Pas mal de sous de côté. Ça change bien avec Northbury. Je dois leur acheter des pierres. Peut-être à eux justement que j'achète des pierres parce que ça fait beaucoup de thunes quand même. Ouais, non, je leur en achète. Ouais. Ok. Peut-être encore les herbes. Oh. Bah non, en fait, je suis en train de tout utiliser. Ah là là.
Ils sont victorieux. Bien joué à vous. Tout a été construit. Ah non. Bon, pas loin, il reste pas grand-chose, hein. 3-4 fontaines là. Plus que deux. Là, au niveau de l'embellissement, on a déjà une petite zone qui est sympa. Pas forcément plus. Ah oui, c'était du blé. Oui. Je me dis, oh la vache, d'un coup, il y a plein de trucs qui a disparu ici. Oui. C'est normal. Allez, on va économiser assez pour l'église en pierre cette fois. Ok, on a des pièces d'or, c'est bien. Non, c'est combien? 1600? 1490. Ah bah. Facile. Qu'est-ce que je cherchais? Pourquoi pas. Chercher quelque chose, mais impossible de mettre le doigt dessus. Bon, bah c'est pas très grave, ça me reviendra si c'était important, comme on dit. Ah oui. Il y a quelques soldats qui sont revenus. Très facile, proche. Facile. Voilà. Tout le monde est en mission. C'est ce qui s'appelle rentabiliser les soldats. Il reste pas grand chose. 290. Neuf. 299, oui. J'ai très possiblement oublié un petit nombre à la fin. Un petit chiffre. Je sais pas combien de jours il me reste. On verra. Ok, là on a le vert, il est où le vert? Dans un de ces deux trucs. On sait pas lequel, mais dans un de ces deux trucs. Vos soldats ont été victorieux. Y a intérêt, je fais tout pour. Un peu dégoûté, hein, sinon. Ah, pas tant de sangliers que ça, hein. Après tu me diras, ça chasse un sanglier par un sanglier, hein, c'est... C'est tranquillou. Tu me diras, pas besoin de plus. S'il n'y a pas besoin de plus... Ah, quelques soldats qui rentrent. Venu les mecs. Bah. Ok, d'accord. Non, bah traversez, faites comme chez vous.
Ouais. Surplus de B, très bien. Du bonheur. Non, c'est ça, il n'y a pas besoin de qualité, hein. On est d'accord. Alors, entraîne-toi, c'est bien. T'as pas d'épée, toi? Moi, j'ai donné des épées à tout le monde. Si, vous avez tous des épées. Ouais. Pas de problème d'épée. Hop, là, on va bientôt pouvoir construire. Plus 69 quand même d'embellissement. C'est marrant, c'est du franglais. Embellissement par un endroit, c'est du français. D'autres endroits, c'est de l'anglais. This is the Franglish. Oh, un peu d'or. Hop, allez. Voilà, ça c'est en construction par contre. Elle va pas être donnée, hein. Ouais, clairement. Ça va clairement pas être donné. Va falloir investir. Va falloir que les soldats ils repartent très vite. Hein. C'est grâce à vous qu'on fait de l'argent, mes soldats, et qu'on a des ressources assez facilement. Donc. Merci à vous, les gars. Ah, j'ai 3 bijoux. À qui on allait les piquer ceux-là? Là, j'ai mis les bancs, ils sont déjà assis dessus. C'est en construction, mais ils sont déjà assis sur les bancs. Ah bah dis donc, ils sont. Ouais, ils sont attractifs les bancs ici. Hein. Les bancs du chantier. En plus, ils regardent. Si au moins, tu vois, je dis pas. Si au moins ils regardaient le chantier, comment que ça se passe. Bon. Allez, tu vois. Pourquoi pas? Voilà. Mais là même pas, il tourne le dos. Ah mais bien, hein. Propre en plus. Hein. Ouais, ça me met bien. Oh la vache, on a déjà utilisé toute notre pierre taillée là. Il y en a 4 qui sont assignés à la construction. Ah oui, mais lui il fait le vitrail, non, c'est ça? Aucun projet. Comment ça? Ah non, le verre il est pas utilisé. Attends. Est-ce que... Par le plus pur des hasards, il ne faudrait pas autre chose pour produire un vitrail? Par le plus pur des hasards, ne faudrait-il pas un autre bâtiment pour produire ce saloperie de vitrail? Bougie, fonderie d'or, joaillerie. Après, si on m'a demandé de le faire, doit y avoir la possibilité. Sinon, c'est que c'est cassé, mais bon. Non, ça c'est de la production fixe hein, de verre à partir de quartz et de charbon. Non, pour moi, c'est bien ça. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il n'a aucun projet. Après, peut-être qu'il faut que le reste soit posé. Qui me disent quelque chose par rapport au vitrail. Halle de transport.
Production. Les sculpteurs, ouais. Ouais, il y aura peut-être un truc pour le débloquer apparemment. Le problème c'est que je sais pas où. Non. M'étonnerait que ce soit là-dedans. Ça, ouais, je vois pas pourquoi ce serait là. Ah putain. Travail du verre. Là, c'était pas prévu. Bon. On va essayer d'améliorer nos relations avec l'église et faire ce qu'il faut pour avoir de la vitraille. Ouais. Là, on va faire un petit coup vite fait de ça. Fallait qu'à t'avais qu'à pas foutre ta piole ici aussi, hein, voilà. Comme je te dis, elle est pas collée à l'église, elle est dans l'église. Encore pire. L'autre, il a fait pareil. Hein. Oh, vous êtes pas content, machin, hop là, voilà. Émissaire requiert en audience. Encore? Ouais, parfait. On améliore notre capacité commerciale grâce à du charbon. C'est parfait. Allez, c'est ici qu'on va se laisser pour aujourd'hui, hein. Après avoir envoyé quelques soldats en mission. Moi, j'espère que l'épisode vous aura plu, que la série vous plaît toujours autant. On commence à sortir un peu les pieds de la bouse. Tranquillement, mais sûrement. Une fois que ce sera fait, enfin, nous pourrons continuer sur d'autres objectifs. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob.